Salut chérie. Coucou. Bisous bisous. Non, mets des vêtements de même couleur dans tes allées, j'ai ton passe, bisous pour toi. Oh mon dieu, Dieu, tu es tellement méchant. Tu savais qu'on devait être ensemble aujourd'hui, tu as préféré mettre ces stupides couleurs. Ce n'est pas stupide, ce n'a pas d'importance, Peter, c'est pas le jour de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu veux dire par le jour de Valérie? Ouais. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, ne le sais-tu pas? Ouais, blablabla, écoute Saint-Valentin, peu importe, moi je m'en fous, je laisse mon éclatier, tu sais. On verra ça plus tard, d'accord? D'accord. Oui, le jour de Valérie, d'accord, ne gâte pas l'ambiance. Prends soin de toi, d'accord? D'accord. Je vais voir Mars après. Viens que je te présente à mes autres amis, viens. Salut. Salut. Bien, ravi de t'avoir parmi nous. Une fois de plus, je suis Duc. Je suis Pride. Super. Vraiment content de te connaître. Merci. Bien, alors pourquoi ne nous rejoins-tu pas là-bas? Je ne sais pas danser. Allez, toute fille devrait savoir danser. Sérieusement, je ne sais pas. Vraiment? Oui. Bien. Génial. Puis-je avoir ton numéro, s'il te plaît? Ah, d'accord. Ouais. 0 0 8 Ouais. 0 Excuse-moi. Ouais. George te cherche. Écoute, je vais le rejoindre. Voici Prime et nous. Elle. Sa petite. C'est un plaisir de. Tes amis veulent rentrer. Mais on commence à peine. Ok, d'accord. Merci, on se voit, d'accord? Toi. Attends, tu vas arrêter de faire la jalousie. Ferme ta bouche, laisse-moi tranquille. Comment peux-tu traiter un être humain d'inutile? Cette fille est mon amie au même titre que tu l'es. Donc tu veux me dire que nous sommes de la même catégorie? Écoute Steph, ceci n'est... Non, dis-moi Valérie. Es-tu en train de me dire que je suis dans la même catégorie, que ça ne manque rien? C'est pourquoi tout cet antagonisme? Pourquoi tant de haine à son égard? Quelqu'un que tu as rencontré qu'une seule fois? Oh s'il te plaît, Valérie, vas-tu arrêter de prétendre? Prétendre à propos de quoi? Cette fille est venue de nulle part. Elle était autour de mon petit ami Duc. Es-tu en train de dire que tu n'as pas vu cela? Oh, je vois. Mais chérie, ce n'était qu'une fête. Valérie, ceci n'est pas une affaire amusante. Je connais la différence entre le rouge et le blanc. Tu n'as pas à te donner le mot de tête sur cette histoire. Ton copain, c'est ton copain. Alors, je vais préférer que tu dises à ton ami de respecter mon territoire. J'essaie de construire quelque chose avec Duc. Alors, je ne veux voir personne. Je dis bien personne tourner autour de lui. Prime est inoffensif. Je m'en fous. Tu peux me croire sur ce point. Peu importe. Oh mon Dieu, putain, Dieu, tu m'as fait peur. Je suis désolé, je n'ai pas voulu t'effrayer. Comment étaient les cours? Bien, comment vas-tu? Là, je vais bien, tout va bien, mais pas tout à fait, tu vois. Jusqu'à ce que tu me fasses une faveur. Faveur? Oui. Quelle faveur? Écoute, voilà, j'aimerais que tu me donnes le numéro de l'un de tes amis. Quel ami? Prime. Prime? Oui. Désolée, je ne peux pas te le donner. Mais pourquoi? Je devrais d'abord lui demander sa permission avant de te donner son numéro. Non, pourquoi non? Pourquoi? Ça ne sera pas nécessaire. Ça ne sera pas nécessaire, t'as le point de me donner le numéro. Jusqu'à ce que quelqu'un débarque pour te mettre... Aide-moi s'il te plaît, je t'en prie. Désolée chérie, je ne peux pas faire cela.
Voyons, si je t'explique quelque chose, peut-être tu pourras changer d'avis, tu vois. Je suis intéressé. Ça ne sera pas une mauvaise idée si je prends son numéro et je la contacte, comme ça nous pourrions être de très bons amis. Toujours désolé, chérie. Je devrais d'abord lui demander sa permission avant de te donner son numéro. Je peux tout simplement te donner son numéro. Attends. Allons. Allez, c'est pas cool. Pas de numéro de allez. Non, ça ne se fait pas. Tu veux demander, n'est-ce pas? Retourne en classe. Oui, retourne en tu cours. Tu me demanderas une faveur. Je m'en servirai pour te casser la tête. Tu verras. Ça dit quoi? La pomme. T'en as pas, hein? T'en as pas, s'il te plaît. Salut, chérie. Salut. Salut. Je t'ai cherché partout. Où étais-tu? Cela. Je dois rapidement envoyer ce mail à mon professeur qui attend ça urgemment. J'étais supposé le faire hier, mais j'ai pas pu le faire à cause de la fête. Ouais. Oui, en parlant de la fête, que penses-tu de cette misérable fille que Valérie a invitée? Qui? De la même fille avec laquelle je t'avais causé à la fête. Lorsque je suis venue t'appeler pour Georges. Mon Dieu, cette fille est tellement en dessous de notre niveau. Je ne sais même pas pourquoi Valérie tourne autour de cette fille. C'est au-dessus de moi. As-tu même vu ce qu'elle a porté à la fête? As-tu vu combien elle avait l'air stupide et timide? Elle a empesté toute la place avec son odeur. Merde! C'est quoi ton problème? Quoi? Mais putain, tu m'en as-tu donc rien d'autre à faire que de mal parler des gens? Ne te fatigues donc tu pas de parler des gens? Qu'est-ce que tu veux quoi, dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? La ferme! Voyons! Mais qu'est-ce que c'est moi avec toi? Voyons, chérie, il y a beaucoup plus important que ça. Aménage ton tête, fais quelque chose d'important. Est-ce que moi j'ai mieux à faire? Tu n'es pas important pour le moment. Stéphanie, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, il me crie dessus tous ces jours. Ça va, calme-toi. Calme-toi, il va revenir. Quoi? Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est wow! Pour toi, maman. C'est pour toi. Es-tu sérieuse, maman? Ah, je l'ai enfin eu! Oh mon Dieu! Laisse maman! Merci beaucoup, maman. Ah, mais tu devrais d'abord remercier ton père. Non, mais maman, tu sais que tu es le facilitateur. Mais il est l'exécuteur. Et cela n'a aucune importance. Oh, tu l'aimes? Oui, oui, elle est belle. C'est vrai? Maman, elle est aussi mon cadeau de voiture. Quand tu seras à ta dernière année à l'université, tu recevras sûrement ta propre voiture. Fils, réjouis-toi de tes droits. Non, touche pas, ne touche pas ma voiture. Va cuisiner. Va cuisiner pour cette voiture. Oh, pardon pour moi. Regarde ça. Viens à l'intérieur, viens à l'intérieur. Viens, attends. Rejoins-moi. Ton rêve s'est réalisé. Ouais, rien. Et c'est une Mercedes. Waouh, ça c'est vraiment très beau. Oui. Chérie, ceci est magnifique, je te le jure. Vraiment? Oui. Ta mère est la meilleure femme du monde. Je te le jure. On fait un tour avec elle. Non. Chérie, un tour. Ça c'est bon. Non. Ne la conduis pas. On veut juste essayer le bijou. Ne la conduis pas. D'accord, je vais comment tu feras. J'ai la clé avec moi. Allez, allez. La clé est ici. S'il te plaît, je non. veux. D'accord, bisous. Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie. Viens. Viens. D'accord. Fais un effort. Juste petit. Essaie de boire.
Mère, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Qu'est-ce que c'est? Mère, j'ai réfléchi. Nous avons besoin de beaucoup d'argent pour être capable de payer nos factures, pour acheter des médicaments pour que tu ailles mieux. Et j'ai aussi besoin de retourner à l'école. La maison doit être payée dans 2 mois. Nous n'avons pas d'argent pour résoudre tout cela. Est-ce que tu essaies de me comprendre? Alors j'ai besoin de commencer quelque chose. J'ai besoin de me faire un peu d'argent pour aider la famille. Quel est ton plan? Avec quoi feras-tu tout ceci jusqu'aux frais de l'école? Je vais le faire, maman. Tout ce que je trouverai, même s'il faut commencer par être domestique, juste un truc pour me faire gagner un peu d'argent. Oui, qui est là? Une seconde. Salut. Salut. Tu ne m'as pas dit que tu venais. Quelque chose ne va pas? Bien. C'est au seuil de la porte que nous allons discuter. Oh, excuse mes manières. Merci. Excuse-moi, laisse-moi t'apporter quelque chose à boire. Ah, bien sûr. Alors, comment connais-tu Prime? Ah ah, c'est pour ça que tu es là. Bien, dis-moi. Dis-moi, comment l'as-tu connu? Prime est plus comme une sœur pour moi. Elle m'a toujours soutenue à plusieurs reprises. Nous sommes de très bonnes amies. Fais-moi une petite description d'elle, juste un petit peu. Tu es attirée par elle? Oui. Bien, Prime est une fille très humble et très gentille. C'est tout ce que je peux te dire. Bien, crois-moi. Il y a tellement plein de bonnes choses qui la concernent que je peux voir. Et si je devenais son ami? Un genre de relation, tu vois, platonique, tu vois. Prime est une personne très discrète et elle aime son intimité. Mais je ne vois vraiment pas comment tu pourras faire partie de sa liste d'amis. Bien. Dans ce cas, je fais de mon mieux. Bien. Alors, comment vas-tu? Bien, bien. Salut Prince. Salut Valérie, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, simplement que je t'ai pas vue depuis le jour de mon anniversaire. Tu m'as promis de passer mais tu n'es pas venue. Je suis désolée, je sais, je suis vraiment désolée. C'est juste que ma sœur revient des États-Unis à la fin de ce mois. Donc ma mère et moi nous sommes allés au marché pour aller acheter des choses pour son arrivée. Elle et moi on fait presque la même taille, alors il fallait que je le fasse, sinon mes examens ne me l'auraient pas permis. Je comprends, il n'y a pas de problème, on peut tout le temps se parler au téléphone, non? Oui, oui, ça me revient. Est-ce que tu te rappelles de mon ami Duke? Duke? Oui, Duke, le gars de la fête, celui avec lequel tu parlais ce jour-là. Oh, je me souviens de lui, mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, rien. C'est simplement qu'il disait qu'il n'a pas pu avoir ton numéro cette nuit-là et il me demandait de lui donner. Mais je ne lui ai pas donné, j'ai dit que j'allais d'abord te demander. Tu sais que je n'aime pas mentir. Bien sûr, je le sais. Voilà pourquoi je ne lui ai pas donné. Alors, comment va ta mère? Elle est complètement rétablie maintenant. Gloire à Dieu. Salut là pour moi. Alors, je t'appelle plus tard. D'accord, oui. Plus tard. Madame, je suis déjà là-haut. Combien est-ce que ça coûte? Voilà. J'arrive. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, j'aimerais voir mon amie Valérie. Qui m'appelles-tu Valérie? Mon ami, si tu ne pars pas de là maintenant, tu vas voir ce que je vais te faire. S'il vous plaît monsieur, je veux juste voir mon ami. Je ne veux pas Adamo d'amour. Madame. Qu'est-ce qu'il ne va pas là-bas? Oui, madame, arrive.
Oh, Frank. Madame, c'est cette idiote et stupide fille qui a pris le caillou et a commencé à frapper sur le portail. Adam, tu es devenu fou. C'est mon ami que tu es en train de traiter de folle. Oh mon Dieu. Fais vraiment très attention. Prime, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ne fais pas attention. Pas de problème. Va à l'intérieur, j'arrive. Madame. Santé. Oui, chérie. Aux grosses lèvres. Quoi? Que veux-tu dire par grosses lèvres? Bien sûr, n'as-tu pas de grosses lèvres? Peu importe, c'est pour ça que tu m'aimes. C'est pareil. Tu sais quoi? Je pense à organiser une feuille de dédicace pour moi, tu vois. Une nouvelle voiture. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ok, c'est bien. Je sais que je serai la une après cette fête. Non, non, non. Non, pas du tout. Ça sera juste une simple fête. Ouais. Nous, les amis, allons nous retrouver. Un peu comme une petite fête, quoi. Quoi? Chérie, on ne fait rien simplement. D'accord? Avoir une voiture, ce sont les moyens. Avoir une voiture de cette classe, c'est beaucoup d'argent. Alors, la qualité de la fête dépend de la qualité de la voiture. Laisse-moi, chérie. Je vais prendre soin de tout. De tout le monde, de l'emplacement. Je suis sûre que nous allons bien s'amuser, puisque nous n'aurons pas affaire à cette misérable amie de Valérie. On y va. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, allez, nous n'avons même pas parlé de ce que je vais mettre à cette fête. Chérie, puisque ça sera une merveilleuse fête, penses-tu que je dois mettre quelque chose de sensuel? Super sexy, sophistiqué, puisque je serai l'attention de tout le monde à cette fête. Que je puisse voir tout le monde. Chérie, et n'oublie pas que tout le monde soit enregistré pour que les gens ne s'introduisent pas à notre fête. La ferme. Mais putain, qu'est-ce que tu es incroyable. Comment tu es incroyablement surprenante. Comment? Tu es complètement dingue, imprévisible, c'est maladroite. Putain, qu'est-ce que c'est? Tu me parles que de toi, est-ce que le monde tourne autour de toi? Ça doit être une autre personne. Ferme, excuse-moi. Tu es tellement égoïste. Pense aux autres personnes. Qu'est-ce que je fais maintenant? Pense à changer ton tiens, ton égoïsme. Tiens, c'est tout à toi. Tu ne penses qu'à toi. Joe, qu'est-ce qui t'arrive? Peu importe. Tu es têtu et tu ne comprends pas. Dieu! Oh, Valérie, chérie, tu dois vraiment voir comment Duke se comporte en ce moment. Je pense que cette voiture est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Ah, je pensais que ça lui arrivait toujours. Oui, ça lui arrive souvent. Enfin, qu'est-ce que je pense? Mais ce que je veux dire, c'est que ça le distrait facilement. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse tomber. Mais peux-tu me faire une faveur, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Tâche de ne pas inviter ta misérable amie à la fête de Duke. Quelle amie? Bien, je ne connais pas son nom. Mais la plus laide. Celle qui s'habille mal. Non, celle avec les vêtements de ménagère. Qui est venue à ta fête au campus. Quel est le problème avec elle? Il n'y a rien à propos d'elle, Valérie. Ne peux-tu pas me faire cette faveur entre amis? Chérie, tu sais pourquoi j'aime cette machine? Elle s'appelle Prime. Ça te fait bien travailler, te faire sortir des rondeurs. Son nom, c'est Prime. Oh mon Dieu. Oh, Steph, j'ai tellement honte. Son nom, c'est Prime. Mais je m'en fous. D'accord? Jaycee. Hey, regardez qui est là. C'est le chéri. Coco bébé, comment tu vas? Bien, et toi? Ça va, je vais bien. Ouais.
Encore. Arrête. Alors, qu'est-ce que tu es en train de lire? Je suis en train de lire ce livre d'inspiration. Oh, très bien. D'accord. Imagine quoi? J'ai une présent pour toi. Qu'est-ce que ça peut être? Ferme tes yeux et promets-moi que tu ne les ouvriras pas tant que je te le dise. Mais pourquoi? Je suis en train de lire ce livre d'inspiration. Alors tu ne veux pas mon présent? D'accord. D'accord. Ferme-les, ne les ouvre pas. Ça dure là, puis-je les ouvrir maintenant? Non, n'ouvre pas maintenant. D'accord, tu peux les ouvrir maintenant. Tada! La violon sonne! Oui. Le Seigneur Marie-Joseph, c'est très joli. Ça te plaît? Ouais, mais ça c'est l'un de mes meilleurs livres. Oh mon Dieu, mais ça c'est très merveilleux. Je savais que tu devais l'aimer. J'adore vraiment ce livre. Ah, bébé, il le sonne. Viens là. J'adore vraiment ce livre. Je sais. Place-moi ton pied. Place-toi bien, laisse-moi te masser. Comment tu te sens? D'accord. Viens là, bébé. Veux-tu faire quelque chose? Quelque chose d'amusant? Je vais laisser tomber. La fille là, c'est un autre niveau. Tu te rends compte qu'elle a une caisse? C'est plus fort que moi. Arrête. Tu sais, la dernière fois qu'on s'est vu là, elle était trop canongar. Je n'ai pas su quoi lui dire. Tu faisais sans doute quelque chose de mal. Je sais. Alors, qu'est-ce qui t'arrive cette fois-ci? Bien, justement, je t'attendais. C'est évident. Bien, je me disais que puisque tu peux me donner le mot de Bram, peut-être que tu pourrais venir avec elle à la fête de célébration de ma voiture. Je suis désolée. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Stéphanie. Donc, je ne peux pas te le donner. Je ne suis pas surprise. Alors, les militaires sont là pour prendre les vies que les docteurs essayent de sauver. Ainsi, dans le sens contraire, tu as tort. Nous prenons la vie des mauvaises personnes pour sauver celle des bonnes personnes. Salut, pas. Salut, maman. Salut, mon fils. Madame est venue. Petite madame. Papa! Bienvenue, grande sœur. Merci. Papa! Vous m'avez tellement manqué. Oh mon Dieu, tu as tellement pris du poids. Tu trouves? Alors que tu as assez mince, avec quoi t'es nourrissée-t-il? Maman, j'attendais ça venant de toi. Que cela ne tienne. Merci, j'apprécie vraiment. C'est bon, allons l'intérieur. Wow. Bienvenue. Tu vois? Regarde là. C'est très merveilleux. Mmh.
Ce n'est pas grave à propos de Sari. Ce n'est que normal qu'une femme soit jalouse d'un homme. C'est une bonne chose. Mais papa, elle réagit de façon impulsive absolument à tout. Parce qu'en réalité, il n'y a absolument rien de cette vie de premier mois. Et tu lui as parlé de ça? Évidemment que je l'en ai parlé, mais tu vois, elle ne peut absolument pas me croire. Ok, donne-lui un peu de temps. D'accord. Oh mon Dieu, tes embêtements m'ont tellement manqué. Mes embêtements t'ont manqué, n'est-ce pas? Tu l'as oublié comment je te protégeais quand toi tu y es entré au secondaire. Tu te rappelles seulement de mes embêtements. D'accord, je suis de retour. Oui, tu es revenue comme les pisquets. Mais ce musicien nigérien, B et Paul, Peter et Paul. Ah, ces musiques aussi sont jouées en Angleterre? Allez papa, ne sois pas si vieille école. Oh. La musique nigériane est devenue internationale il y a longtemps de ça. Mmh. C'est bon de le savoir. Ouh. Ça fait plaisir d'entendre. Mais ce n'est pas nouveau que la musique nigériane soit devenue internationale. Ben, ils ont tellement à offrir à l'étranger. Mmh. Tu as raison chérie, les Nigériens là-bas ont très peur de ce qui sort du Nigeria. Mmh. Et même les films, nous les regardons seulement pour ne pas oublier notre culture. Quoi? Tu veux dire que sans ces films nigériens que tu pouvais regarder là-bas, tu ne te rappellerais pas de nous, n'est-ce pas? Maman! Oh, je suis désolée, c'est pas ce que je voulais dire. D'accord, avant que nous soyons tous emportés, confions-nous à Dieu par la prière, le remercier pour nous avoir tous gardés en vie pour voir ce jour merveilleux. Retour est allée en Angleterre pour les études et elle est revenue non pas seulement avec succès, mais également avec un résultat impressionnant. Father et bébé. Oui, papa. Prie pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Es-tu vraiment sérieux, Joke? Bien sûr. Je voudrais que tu ramènes Prime à la fête de célébration de ma voiture. Donc, tu me demandes pratiquement de ne pas venir à ta dédicace. C'est le cas. Honnêtement, c'est le cas. Sinon, c'est ça, je ne comprends pas pourquoi tu veux le faire. Ma copine. Oui. J'aimerais t'inviter à un événement samedi prochain. Je voudrais que tu viennes avec moi. Quel événement? La dédicace de la voiture de Duke. Tu sais, bien sûr que je ne veux pas venir à cette fête, non. Allez, ne sois pas comme ça. Je suis qu'il sera très heureux de te voir. Je ne veux pas y aller. S'il te plaît. Allez, dis oui. Dis oui pour moi, s'il te plaît. Salut! Alors, qu'est-ce que je vois là? C'est comment? Très, très joli. Merci. Bien, j'aimerais que tu m'accompagnes vers la boutique. Vois-tu, je voudrais aller acheter à Prime quelque chose qui pourrait vraiment lui faire plaisir. Bien, voilà, quelque chose de bien, quelque chose de joli, quelque chose de vraiment beau. Il faudra trouver quelque chose de sexy qui pourrait vraiment lui plaire. Wow. Alors, monsieur le romantique, es-tu en train de tomber amoureux de mon ami? Je suis pas en train de tomber amoureux de ton ami. Je suis pas amoureux d'elle, voyons. Je l'apprécie juste. Tu l'apprécies simplement. Juste, voilà, juste. Voilà. Simple appréciation. S'il te plaît, enlève tes lunettes que je vois tes yeux. Voyons. Lâche-moi. Ok, laisse-moi aller, monsieur. Ça ne fait pas l'intérêt, il change. D'accord. Un truc sympa, oh. Un truc cool. Mon père était un militaire.
Hé, hey, mon ami, je veux... Tu vas bien? Hé, hey, maman, tu vas bien? D'accord, à plus. Pourquoi fais-tu cette tête? Que veux-tu dire? Putain! Mais tu te comportes comme une femme qui a été rejetée par son mari, voilà. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Bien d'accord, peut-être que je t'embête avec mes histoires. Tu veux qu'on sorte? Si tu le veux. Allez, pourquoi tu l'es si morose? Pourquoi Stéphanie? Voyons, c'est très bien remarqué quelque chose te préoccupe. Il n'y a aucun problème, Duke. Tu dis que c'est rien? Et tu voudrais que je croie ça? Ils sont très magnifiques. Et très très chers. Alors, quelles sont ses intentions? Je n'ai aucune idée, maman. Je ne l'ai plus rencontré depuis l'anniversaire de Valérie. Fais juste très attention. Lorsque tu reçois des cadeaux des gens, tu es techniquement en relation avec eux. Ce cadeau n'est pour rien, maman. Il voudrait que je le mette le jour de la célébration de sa voiture. Quelle est la position de Valérie dans ça? Elle pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Ok. Juste fais très attention. D'accord, maman. Dieu, nous te remercions pour ce rassemblement aujourd'hui. Et pour notre frère qui célèbre sa voiture, tu le fortifieras. Amen. Amen. Il n'aura aucune raison de faire accident avec cette voiture. Amen. Et tu l'utiliseras comme point de contact avec ceux qui ont besoin de la bénédiction du Jean au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. 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 Bien, mesdames et messieurs, je saisis cette opportunité pour remercier vous tous qui êtes ici présents, à mon honneur, pour que tous ensemble nous célébrions l'arrivée de ma nouvelle voiture. Qui est juste là. Et aussi, je voudrais profiter de cette opportunité, voyez-vous, pour apprécier la présence de mon pasteur, Pasteur Ken, qui a trouvé nécessaire de venir prier pour ma nouvelle voiture. Pasteur Ken. Merci. Et je n'oublierai pas la présence de ma précieuse mère, Madame Draymond. Qu'elle est joliment habillée et est tenue ici devant. Non. Merci, maman. Merci. Je tiens à m'excuser pour l'absence de mon père, monsieur le général retraité, Raymond. Pour certaines raisons ou d'autres, est absent. Mais qu'en fait, j'apprécie le fait que vous soyez tous là et. Il y a à boire par là. Et il y a à boire. Mesdames et messieurs, il y a également par là à manger, à boire. Mangez autant que vous le pouvez. Prenez autant que vous le pouvez. Réjouissez-vous et profitez-en. Oh, salut. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Wouh. Merci. Comment tu vas? Dima, tu as seulement été forcé d'écrire je ça. Okay, ça je te commence. Comprends pas. Hey, hey, Valérie, on se voit plus tard. D'accord, à plus tard. Très bien. C'est comment? Valérie, sais-tu que c'est amusant lorsque les gens font semblant d'être ton ami? Alors qu'ils font des coups derrière toi et te poignardent dans le dos. Ah, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Comment vas-tu comprendre? Je sais, je me sens très stupide en ce moment de t'avoir accordé le bénéfice du doute pendant tout ce temps. C'est encore quoi le problème, Steph?
Quel enfant ici, Valérie? Toi ou moi? Dis-moi. Tu penses que je ne connais pas ton jeu? Ou je ne devais pas être au courant? Bien, jusqu'à ce que tu me le dises, parce que je ne sais toujours pas de quoi tu parles. Tu essayes de jeter Prime dans les bras de mon homme. Et c'est la seule raison pour laquelle tu l'as invité pour la première fois à ta fête. Allez chérie, tout ça ce n'est que le fruit de ton imagination. Arrête de te donner les maux de tête ainsi pour rien. Mon imagination, mon œil. Tu sais, c'est amusant quand je peux regarder ça devant moi. Oui, le démon en toi peut tuer. Tu penses que je suis stupide ou tu penses que je suis folle? Steph, que veux-tu que je fasse? Rien. Je n'ai pas besoin que tu fasses quelque chose. Mais je voudrais juste te demander de dire à ton ami de s'écarter de mon chemin. Juste ça. Attends une minute. Supposons même que quelque chose se passe entre ces deux-là. Ne penses-tu pas que tu devrais demander à Joe, ton petit ami, ce qu'il veut vraiment et avec qui il veut être? Ton ami là est misérable. Ton ami là est pauvre. Mais cet ami là semble toujours te poser un gros problème. Maintenant tu parles. J'aime ça. Valérie, fais-le sortir. Fais sortir tes atrocités. Fais sortir tes conneries. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Nous sommes amis depuis quelque temps maintenant. Alors je ne veux pas avoir de problème avec toi. Ok? C'est pourquoi je te supplie au nom de Dieu. Ne joue pas avec moi. Parce que quand je mords vraiment. Tu sais quoi, Steph? Si tu penses avoir un problème avec Joe, pourquoi ne pas aller le régler avec lui et laisser Prime en dehors de ça? Cette fille est innocente. Je te laisse ce que j'ai dit et je te le redirai encore. Non. Prime est innocente. Elle insiste. Tu sais imagines? Je ne te dois pas des excuses d'avoir Prime comme ami. Et si tu sens que tu es fatigué d'être mon ami, c'est bon, c'est pas grave. Qu'il en soit ainsi. Quand tu fais ce que tu veux. Tu continues d'intimider des gens partout à cause de ton cher petit ami, comme tu étais la première à voir. Hein? Regarde-moi ça. Cette fille est tellement fausse. Tu t'en rends compte? Tu vois cela? Je la hais juste. Elle m'empoisonne. Qu'est-ce que cela signifie? Bien sûr que je l'ai appris en même. Quand est-ce que tu sors ton album? Dans là-bas. Très bientôt, peut-être même cette année. C'est ça que tu dis? Non, non, non. Tu gardes. Tu as acheté ta voiture. Tu as payé. Pourquoi tu me prends? Ce gars. Tu as payé. Tu sais qu'il est toujours. Tu as payé toi aussi. Tu sais que ce regard, mais tu râles le gars. Je te jure, deux fois même. Ok, les gars, on se prend. Où est-ce que tu as fait ça? C'est le temps. En plus, bébé, pourquoi es-tu en train de me mentir? De quoi est-ce que tu parles? Es-tu amoureux de Prime? Bébé, je n'ai pas la moindre idée de ce dont tu parles. Crois-moi. Tu ne sais pas exactement de quoi je parle. Oui. Écoute-moi, Dieu. Je ne veux pas te permettre de m'embarrasser dans ce campus. Ok, tout le monde sait que nous sortons ensemble. Pourquoi tu fais ça? Hein? Tu sais quoi? C'est mieux que tu choisisses entre Prime et moi. Ce serait mieux pour tout le monde. Oh, oh, oh. Pourquoi je dis même choisir? Comment peux-je croire que j'ai dit choisir? Pourquoi tu es en train de me faire ça? Écoute, bébé, je peux te l'assurer. Parmi des milliers de filles, comment puis-je laisser une telle beauté pour aller chercher une autre fille? C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. T'es la meilleure! Comment? Es-tu sûr de ça? Si, sûr. À 1000%. Viens là. Laisse-moi te faire un acapella de la chanson que je chante avec mes potes. Non! Sérieux, c'est un son d'accord. Pour ma c'est quoi? Arrête! C'est ça là, c'est la bombe. Es-tu sérieux? Je t'assure. Dima, tu as seulement été forcée d'écrire ça. C'est comment, Steph? Uh-huh. Hey, Valérie,
On se voit plus tard. Très bien. C'est comment? Valérie. Sais-tu que c'est amusant lorsque les gens font semblant d'être ton ami? Alors qu'ils font Nekuba derrière toi et te poignardent dans l'eau. Ah, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Comment peux-tu comprendre? Je sais que je me sens très stupide en ce moment de t'avoir accordé le bénéfice du doute pendant tout ce temps. C'est encore quoi le problème, Steph? Qui est l'enfant ici, Valérie? Toi ou moi? Dis-moi. Tu penses que je ne connais pas ton jeu? Ou tu penses que je devais pas être au courant? Bien, jusque ce que tu me le dises, parce que je ne sais toujours pas de quoi tu parles. Tu essayes de jeter Prime dans les bras de mon homme. Et c'est la seule raison pour laquelle tu l'as invité pour la première fois à ta fête. Allez chérie, tout ça ce n'est que le fruit de ton imagination. Arrête de te donner les maux de tête ainsi pour rien. Mon imagination, mon œil. Tu sais, c'est amusant quand je peux te regarder du haut vers le bas. Oui, le démon en toi peut tuer. Tu penses que je suis stupide ou tu penses que je suis folle? Steph, que veux-tu que je fasse? Rien. Je veux que tu ne fasses rien. Mais je voudrais juste te demander de dire à ton ami de s'écarter de mon chemin. Juste ça. Attends une minute. Supposons même que quelque chose se passe entre ces deux-là. Ne penses-tu pas que tu devrais demander à Joe, ton petit ami, ce qu'il veut vraiment et avec qui il veut être? Ton ami là est misérable, ton ami là est pauvre, mais cet ami là semble toujours te poser un gros problème. Maintenant tu parles, j'aime ça. Valérie, sors-le, fais sortir tes atrocités, fais sortir tes conneries. Mais laisse-moi te dire quelque chose, nous sommes amis, ça fait un bon moment. Alors, je ne veux vraiment pas avoir des problèmes avec toi. Ok? C'est pourquoi je te supplie au nom de Dieu. Ne joue pas avec moi. Parce que quand je mords vraiment bien. Tu sais quoi, Steph? Si tu penses avoir un problème avec Jude, pourquoi ne pas aller le régler avec lui et laisser Prime en dehors de ça? Cette fille est innocente. Je te l'ai déjà dit et je te le redirai encore. Prime est innocent. Elle insiste vraiment. Tu sais quoi? Je ne te dois pas des excuses d'avoir Prime comme ami. Et si tu sens que tu es fatigué d'être mon ami, c'est bon, c'est pas grave qu'il la soit ainsi. Mais tu ne peux pas continuer d'intimider des gens partout à cause de ton cher petit ami, comme tu étais la première à voir. Hein? Oh, cette fille est tellement fausse. Imagine. Tu as vu ça? Je la hais juste. Elle m'empoisonne. Comment tu vas, mon frère? Qu'est-ce que tu vas signifier? Là-bas. Très bientôt, peut-être même cette année. Quand est-ce que tu t'attends de nous? Shugadagai. C'est ça que le titre est là. J'ai payé pour qui? Es-tu amoureux de Prime? Je ne sais pas exactement de quoi je parle. Écoute-moi, je ne vais pas te permettre de m'embrasser dans ce campus. Ok? Tout le monde sait que nous sortons ensemble. Pourquoi me fais-tu cela? Tu sais quoi? C'est mieux que tu choisisses entre Prime et moi. Ce serait mieux pour tout le monde. Mais pourquoi je t'ai me choisir? Comment puis-je croire que je t'ai choisir? Pourquoi me fais-tu cela? Écoute, bébé, je peux te l'assurer. Parmi des milliers de filles,
Comment puis-je laisser une telle beauté pour aller chercher une autre fille? C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Es-tu sûr de ça? T'es la meilleure! Comment? Si. À 1000%. Viens là. Non. D'accord. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Es-tu sérieux? Personne là, c'est la mort, mon cher. Je t'assure. Valérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'accuse d'encourager Dieu qu'elle prenne des garçons. C'est vrai? Bien sûr que non. La seule chose, c'est que je me rassure juste que Dieu ne lui fasse pas du mal. Et pour le moment, ils sont que de simples amis. Fais attention. Je ne voudrais pas que tu te retrouves dans des problèmes. Ou te retrouver dans un combat qui n'est pas le tien. Je t'en prie. Fais table rase, non? Ça va. J'espère que tu n'as pas eu de problème pour retrouver celui. Ah non, pas du tout. Des amis à moi habitent juste la rue d'en face. Sois le bienvenu. Merci. C'est tout ce que nous avons. Oui, maman. S'il te plaît, fais avec. Non, maman. J'ai mangé avant d'arriver ici. J'ai mangé. Penses-tu que tu vas sortir d'ici sans pouvoir manger quelque chose? Non du tout, je vais bien. Et Ibrahim m'a dit que tu es une bonne cuisinière. Je ne suis pas sûr de trouver un repas aussi délicieux que celui que tu as cuisiné là dehors, tu vois, maman. Voilà la raison pour laquelle tu dois manger ma nourriture. Allez. Bon appétit. Prends-lui un verre. Mais non, maman, ça va. Ok. Tu me rejoins, maman? Prime? Non, mais si j'ai déjà mangé. Merci de m'avoir invité. Délicieux. Vraiment délicieux. Très appétissant. Tu habites avec tes parents? Oui, je vis avec mes parents. Qu'est-ce qu'ils font? Mon père est un général retraité de l'armée. Ma mère est dans les affaires. Le père de Prime était également dans l'armée légère. Il est mort dans une mission de la CDAO au Libéria. Bien qu'il était un soldat, il était également bon mari et un bon père. Je suis désolé pour la perdre, mais je... Pourquoi Prime ne m'en a jamais parlé? Parce que je n'aime pas parler de cette partie de ma vie. Ça fait longtemps maintenant. Et nous nous sommes déjà habitués. Enfin, permettez-moi de vous laisser pour que vous puissiez discuter entre vous. Pendant que je veux m'occuper à faire quelques petites choses. Au cas où nous ne se voyons plus, s'il te plaît, transmets mes salutations à tes parents. D'accord, je ferai, maman. Merci beaucoup. Bon appétit. Où est Jug? Il est à côté, il arrive. Ok, ma copine se voit plus tard. Laisse-moi l'attendre, je vais lui dire quelque chose. Oui. Après ça, tu peux juste prendre ici et tu commences à faire. Hey, salut. Dis, y a un problème? Pas vraiment. Pourtant, t'as l'air préoccupé là. Joke. Oui. Qu'attends-tu vraiment de Prime? Eh bien, je pensais qu'on en avait déjà parlé. Oui, je veux simplement que tu te décides de ce que tu veux vraiment. Tu ne peux pas sortir avec Steve et faire la cour à Prime. Allez, je suis complètement amoureux de Stéphanie. Totalement. Mais il y a juste cette chose unique en Prime que j'admire vraiment.
Elle est... Laisse tomber les présentations. Je me préoccupe d'elle, c'est tout. Très bien. Alors essaie de convaincre Steph avant que cette histoire ne prenne de proportions. S'il te plaît. Écoute, chef, il faut que je me trouve quelque chose à manger. On se copie là aussi. Bye. Gare à plus tard. Es-tu sérieux? Oh, vraiment, cet homme est fou. C'est complètement hors de sa pensée. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle, en tout cas? Cet homme est vraiment fou. Je crois que ça ne s'est pas passé comme ça. Les pieds me font même mal. Valérie, viens ici. Stéphanie, est-ce à moi que tu parlais? Oui, je m'adresse à toi. Qu'est-ce que tout ça signifie? Écoute, petite fille, je voulais juste te dire que je suis au courant de ton jeu. Et pour t'assurer que ça ne marchera jamais avec moi. Notre chère amie Stéphanie est soudainement devenue folle. Et elle a vraiment besoin d'aide. Très bien, quand tu vas finir de te moquer de toi-même, je finirai toujours par te donner mon point de vue. Et la prochaine fois que tu essayeras encore ce genre de bêtises avec moi, je vais m'assurer que tu le regrettes. Était-elle en train de parler à quelqu'un? Ma chérie, on a des choses plus importantes à faire. Allons-y. Vous vous rendez compte? Non, 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 ça va. Je sais comment résoudre ça avec ça. Je vous suis reconnaissante, madame. Merci beaucoup. Je ne veux pas que tu me remercies. Simplement, ne me prouve pas que j'ai fait une erreur en t'employant. Merci, madame. Je ferai de mon mieux. Vous n'allez pas regretter de m'avoir employée par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Appelle-moi Abigail. Alors? Oui. Qu'attend-il vraiment de toi? Pourquoi est-ce que tu demandes? La façon dont il s'accroche à toi, c'est quelque chose dont on doit s'inquiéter. Il n'a rien dit. C'est même cela mon inquiétude. Il ne dit rien. Il ne veut pas que quelqu'un sache ce qu'il est en train de faire. Tu ne penses pas qu'il le fasse avec des arrière-pensées? Alors, qu'a dit ta mère quand elle est venue à la maison? Ma mère est venue. Elle a dit que c'est un gentil homme et qu'il semble être une bonne personne. Évidemment que c'est une bonne personne. Mais ma chère, Stéphanie ne va pas voir cela sous ce temps. Comme je l'ai dit plus tôt, il n'a rien dit. D'accord. J'ai trouvé un travail dans un restaurant. Tu quoi? J'ai déjà un boulot. Année Prime, comment peux-tu faire cela? Écoute, je sais que c'est difficile que tu payes ta scolarité et trouver de l'argent pour tes besoins, mais tu n'as pas besoin de travailler dans un restaurant. Écoute, je vais parler à ma mère et voir si elle peut me donner un peu d'argent pour que tu commences à payer ta scolarité. Non! Je veux le faire de moi-même, Valérie. Et en plus, combien de temps vais-je me faire passer pour une malheureuse? Ta famille et toi aviez déjà fait énormément pour moi. Merci. Tu es une bonne personne. Et une sœur pour moi. Ok. Viens. Vraiment, il fait très chaud. Oui. Bienvenue, madame. Donc tu es la raison pour laquelle mon petit ami Dieu n'a plus assez de temps pour moi. Lorsque j'aurai fini avec toi, tu regretteras pourquoi on t'a donné naissance. Steph, pourquoi te gênes-tu avec cette servante? Je suis désolée, pardonne-moi. Je ne te paye plus les mots avec une servante. Mais cette servante fille doit être mise à sa place. Bien sûr. Cette servante de fille doit comprendre que je ne suis pas de son rang.
bien sûr. Mais 1000 servantes comme toi ne peuvent pas me servir dans la maison de mon père. Attends, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu ne restes pas loin de mon petit ami, je rendrai ta vie tellement impossible. Je te rendrai la vie impossible, même où tu travailles. Parce que mon père est le directeur de cette compagnie. Me suis-je fait bien comprendre? Bien. Tu l'as entendu? Elle fera de ta vie un enfer. Tu sais quoi? Je veux rentrer. Je veux vraiment. Mais tu ne manges plus? Elle me tend les nerfs. Bonjour papa. Bonjour mon fils. Tu as l'air de quelqu'un qui a vu un fantôme. As-tu bien dormi au moins? Papa, j'ai fait un cauchemar. Un cauchemar? Concernant mon ami Prime. Oui, qu'en est-il de lui? C'est elle. Dans ce rêve, voilà, je l'ai écrasé avec ma voiture et elle est décédée instantanément. Qu'à Dieu ne plaise. Et as-tu prié lorsque c'est arrivé? Oh bien, tu n'es pas un homme de prière. Mais la prochaine fois quand tu as un rêve pareil, ok? Prie juste après. Ok? Oui papa. Attends une minute. Ça me revient. Tu étais au cinéma la dernière fois, n'est-ce pas? Oui. Ok. C'est ce qui explique probablement cela. Ta mémoire te joue probablement des tours. Peut-être à cause des films que tu as regardés la nuit dernière. Ok? Ok, bien. Qui ne va pas? Ça c'est quoi? Maman, maman, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. Tenez-la bien. Non, ne t'inquiète pas. Non, maman, s'il te plaît, laisse-moi aider. Maman va juste là, laisse-moi aider. Attention. Ouais, mais qu'est-ce que tu as? Tiens bon. Elle ne peut pas marcher. Laisse-moi t'aider. Tiens bon. Appuie tout seul. Oui, tiens bon, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, Prime. Mais qu'est-ce que tu as? Allez-y, doucement. Attends, tiens-moi. Doucement. Attends. Un instant. Maman, ça va aller. Oh Dieu, sauve ma fille. S'il vous plaît, quelqu'un doit venir voir le docteur. Je suis sa maman. S'il vous plaît, pouvez-vous me suivre dans le bureau du médecin? Dieu. Madame, arrêtez de vous inquiéter. Madame, calmez-vous s'il vous plaît. Elle peut encore être sauvée si la transplantation est faite dans un bref délai. Docteur. Arrêtez de paniquer. Elle va s'en remettre. Cette opération, dans la plupart des cas, est un succès total. 95%. Ok? Qu'est-ce que dit le docteur, maman? Y a-t-il un problème? L'insuffisance rénale de plus belle déjà à la phase critique. Quoi? Et pour terminer, elle a besoin d'une greffe de rein. Oh mon Dieu! Non. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Non mon Dieu! Oui!
est-ce que je vais trouver 2 millions de naira? C'est comment? C'est pour elle a fait une crise. Quoi? Elle a besoin d'une greffe de rein. Quoi? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Mais je te rappelle. Laisse-moi te rappeler, s'il te plaît. Donc vous voulez dire que vous n'êtes pas au courant de ce qui arrive à Prime, hein? Oh, s'il te plaît. Oh, je t'ai déjà parlé de ça. J'entends ça. J'ai trop paumé. J'ai entendu qu'elle est vraiment malade. Écoutez, j'ai eu pitié d'elle. Pitié de quoi? Pardon. Quelle merde, mais ma bâche, je n'ai rien à foutre. Bonne chose de parler des gens. Regarde celle qui parle. Quand tu commençais à te soucier des misérables, et qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Es-tu mieux que moi? Hé, Lisa, dis-moi, tu sais quoi? Dégage. Qui te demande de parler quand je pars? Je te dis juste la vérité. Tu sais quoi? Dégage. Avant que tu n'affectes tout le monde avec ta mentalité pauvre. Oh oui. Bien. Il est mieux que je parte d'ici. Je ne peux pas rester là et vous écouter faire du commérage. Mais qu'est-ce que cette pauvre fille t'a fait? Dégage! Folle! Allez, regarde-toi. Cette fille est une perdante. Si je te vois encore ici, je vais en finir avec toi. Dégage! Bonjour maman. Sois la bienvenue. Merci. Écoute maman. Je me suis dit qu'il fallait que je passe vous voir. Merci beaucoup mon fils pour ton assistance. Ce n'est rien. Bien faut que j'y aille. On se voit plus tard. Merci. Dans ça. Ça sera suffisant pour son opération. Ah! Mon Dieu! Yo, La tolérance zéro a été perçue comme une insubordination. Mais c'est quoi ton problème? Qu'y a-t-il? Papa? Maman, je viens pour demander votre pardon. Pour le pardon? Le pardon pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris un peu de votre argent. Sans votre permission. Et à votre insu. Tu as fait quoi? Non, attends un peu. Tu as volé mon argent. Que voulais-tu faire avec l'argent? Au point où tu ne m'as pas demandé. Je m'adresse à toi. Une amie à moi a une insuffisance rénale. Et se trouve aux urgences. Ses parents sont assez démunis. Ils n'ont pas d'argent. Une insuffisance rénale? Oui. Oh, mon Dieu. Mais combien est-ce que tu m'as volé? Je t'ai posé une question. C'est juste 2 millions de naira. Pour toi, c'est juste 2 millions de naira? Et toi, écoute-moi bien. Si tu n'étais pas mon fils, je t'aurais pointé une arme sur la tête. De toutes les façons, ta mère va payer pour ça. Parce que je n'étais pas élevé pour être un voleur. Et ces manières ne coulent pas dans les veines de ma famille. Je suis sûr que tu tires ces habitudes de ta mère. Alors, elle paiera sans doute. Bien. De laquelle de tes amis étais-tu en train de parler? Parce que je sais que le père de Stéphane est très aisé. Non, papa.
Ce n'est pas Stéphanie. Stéphanie. Elle s'appelle Prime. Et son père était également dans l'armée nigériane. Il était caporal. Et sa mère... Duc, as-tu déjà plus d'une petite amie? Non. Non, du tout. Ce n'est pas... C'est juste une amie. Toi, écoute-moi. Ce que tu viens juste de faire est un très mauvais comportement. Quand tu as besoin de quelque chose, je veux dire tout, tu te retournes vers ta mère ou bien vers moi. N'essaie plus jamais une stupidité pareille. Suis-je clair ou non? C'est clair ou pas? Oui, oui, oui papa. Salé. Monsieur, je suis très désolé, monsieur, mais je dois vous remettre cet argent. Je vais ruiner. Remettre quel argent? Lequel? Ceci, c'est beaucoup d'argent que votre fils m'a apporté. Et je sais qu'il ne peut pas avoir cette somme d'argent. Duke! Duke! Papa! Passe ici. Madame, pouvez-vous répéter exactement ce que vous venez de dire? Ça, c'est l'argent que ton fils est venu avec. Et je sais qu'il ne peut pas avoir ce genre d'argent. C'est pourquoi je suis venu vous le remettre. Oh, mon Dieu. Levez-vous, madame. Levez-vous. Levez-vous. Vous pouvez garder l'argent. Monsieur? Gardez l'argent. Votre fille en a le plus besoin que moi. Soignez-la, ok? Merci, monsieur. Laisse-toi. Ça va, ça va, ça va. Viens là. Approche. Papa. Tu vas au même endroit où tu as volé cet argent. Et apporte-moi 500 000 naira. Vas-y. Madame. Monsieur. Voici 500 000 naira. Ajoutez ça à... ce qu'il vous a déjà donné. Merci. Et si vous avez besoin de plus d'argent, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci, monsieur. Merci de m'avoir aidé. Ça va, lève-toi. Enfin. Tu vas. Va les déposer, tu reviens. Non, non, merci beaucoup, monsieur. Nous sommes venus ensemble dans ma voiture. Hein? Merci beaucoup. Merci, madame. Madame. Ça va. Merci. Ça va, ça va. Madame, pour être honnête avec vous, la situation de votre fille n'est pas une situation à prendre à la légère. Docteur, qu'est-ce que ça signifie? Voyez-vous, après le résultat de la première analyse, nous avons découvert que le sang du donneur n'est pas compatible. Ah! Alors, nous avons besoin d'un donneur qui est un groupe sanguin compatible avec celui de votre fille. Et nous devons faire cela aussi vite que possible. Si elle a des amis qui peuvent lui faire cette faveur, il est temps qu'il se présente. Oh mon Dieu! Que les choses peuvent être si mauvaises! Madame, madame, s'il vous plaît, essayez de les rassembler. Je suis désolé de dire cela, madame, mais aucun de leurs sang n'est compatible avec le sien. Docteur, que se passe-t-il? Veux-tu dire qu'il n'y a personne qui puisse donner du sang pour soutenir ma fille? Oh.
pas, John. Pourquoi nous as-tu fait ça? Si tu es en vie, ton sang serait compatible à celui de ta fille. Soyez juste forte, madame. Je vous prie de m'excuser, je dois m'occuper des autres patients. Tu ne feras jamais ce genre de choses stupides. Oui, maman, elle a besoin d'un rein. Et c'est compatible. Vas-tu fermer ta bouche? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Joe, je vois que tu ne l'as pas compris. Viens là. Écoute. Premièrement, tu as volé mon argent pour son traitement. Et j'ai laissé. Au fond, c'est parce que tu ne l'avais jamais fait avant. Et maintenant, tu veux t'engager à lui donner ton rein? Hey! Mais je ne comprends pas. Je me demande bien ce qui peut te mettre de stupides idées dans la tête. Mais quoi qu'il en soit, va dire à cette personne que je suis ton père. Et j'ai dit non. Au plus grand non. En lettres majuscules, non. Tu n'iras pas, je dis, donner ton rein à qui que ce soit. Et point final. Un, tu ne sais pas ce que c'est. Deux, tu ne sais même pas si tu survivras à l'opération. Écoute, papa, le docteur a dit que je pourrais... Je m'en fous de ce que le docteur a dit. J'ai dit, tu n'iras pas donner ton rein à qui que ce soit. Et point final. Papa, s'il te plaît. Cette discussion est terminée. Tu veux aller donner ton rein? Hein? Papa, je t'en prie, s'il te plaît. J'ai dit, cette discussion est terminée. Dieu. Je ne sais pas s'il comprend vraiment ce que cela veut dire. Bon après-midi, maman. Bon après-midi, ma chère. Comment tu vas? Bien. Maman, comment tu vas? Ça va, je vais bien. Et comment va Cynthia? Oh, Cynthia va bien, elle est allée voir une amie. Oh, d'accord. J'aimerais te parler de quelque chose. Oui, qu'est-ce que c'est? Ça concerne Duke. Duke? Quoi à propos de Duke? Duke a changé. Il ne veut plus prendre mes appels. Il ne me rappelle pas. Et ne m'envoie même pas un message comme il avait l'habitude. Viens. Ça va, ma chère. Duke va bien. Juste qu'il y a quelque chose qui le dérange. Je vais lui parler. Ok? Maman, je souhaiterais juste qu'il soit plus ouvert avec moi. Je vais lui parler. Alors laisse-moi lui dire que tu es là pour le voir. Merci. Arrête-moi ça. Duke! Duke! Mais pourquoi ne t'ouvres-tu pas à moi? Mais qu'est-ce qui te ronge? Stéphanie est là pour te voir. Je sais pas, tu m'envoies qui que ce soit. Duke, tu es en train de blesser cette fille. Elle vient de très loin pour te voir. Au moins, donne-lui un peu de ton temps. Maman, pourquoi ne pourrais-je juste pas me laisser tranquille? Je veux qu'on me laisse tranquille. Dis à Stéphanie que je la verrai plus tard. S'il te plaît. Donc j'ai envie de refaire la devanture pour les lever un peu. Et je vais voir si je peux ajouter un bon cœur à ce niveau. Et créer vraiment un autre... Oui, je pense que nous devons agrandir cette véranda. Je me tranchais la gorge. Je me tranchais la gorge sur le champ si vous ne me laissez pas. Et de Prime, reste loin de moi. Je pense que ce gars est devenu fou. Je ne sais pas devenu fou.
Je ne suis pas devenu fou. Ok, mon fils, s'il te plaît. Tu dois être en vie pour lui donner ton rein. Je m'en fous. Je m'en fous. Dépose le couteau, tu vas te perdre. S'il te plaît, dépose-le. Je vais le perdre tout de suite. Écoute, c'est l'heure de me laisser et de prendre. Ok, d'accord, tu vas lui donner ton rein. Mais s'il te plaît, dépose le couteau, s'il te plaît. Dis-le lui. Dis-le lui. Qu'il le dise à son tour. S'il te plaît. Dis-le. Grand frère, s'il te plaît. Non. Je ne viens pas près de toi. Puisque c'est ce que tu fais. Vas-y, fais ce que tu voudrais faire. Tu m'as appris à aider les gens, les personnes indigentes. Et maintenant, tu m'empêches d'aider quelqu'un. Quel j'ai besoin de rein. Puisque tu as décidé de lui donner ton rein, alors vas-y, fais-le. Merci. Tu sais, je t'ai demandé de le faire parce que. Qui t'a demandé? Oh, Dieu! Grand frère. Ça va, lève-toi. Maman, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux que pleurer, hein? Dieu, pourquoi es-tu silencieux? Pourquoi me fais-tu cela? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Salut Steph, c'est Valérie. Valérie, va-t'en, je ne veux pas te voir. Toi, c'est inutile, salope. Que fais-tu ici? Peux-tu tout simplement te calmer et me laisser m'expliquer? Expliquer quoi? Que tu n'es pas la conspiratrice de toutes ces choses? Et si tu ne veux pas inviter cette fille à ta fête? Comment ça ne devait pas arriver? Comment étais-je supposé savoir que Duke allait lui parler? Pourquoi l'as-tu invité à la célébration de la voiture de Duke? Bien que je te demande Stéphanie, de ne pas c'est lui qui insistait que je le fasse. Vraiment? Ok. L'as-tu désespérément encouragé d'être toujours là pour mon Duke? Steph, assez de tes insultes. Tu peux faire n'importe quoi, je m'en fiche. Mais je ne vais pas te permettre d'insulter cette innocente fille. Innocente? As-tu appelé cette fille innocente? Maintenant dis-moi, comment une fille peut être innocente quand elle utilisait ses ailes et ses griffes pour capturer tout le monde autour d'elle? Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Au moment où on parle, cette innocente fille a besoin de nos prières pour survivre. Et tu es en train de la négliger comme si elle était déjà morte. Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne donne même pas un radis. Elle peut aller n'importe où au sel. Je m'en fous. L'information du journal, Duke m'appartient. Personne ne peut l'éloigner de moi. M'as-tu comprise? Et pour dire la fin, et pour finir, elle a utilisé son champ pour séduire mon Duke. Et maintenant, il veut donner son rein. Valérie, qu'as-tu fait? Mais tu es supposée être mon amie. Tu sais quoi? Mets-toi dehors. Je ne veux plus te voir. Et je te déteste. Steph, tu es en train de me mettre à la porte de chez toi? À la minute. Comment peux-tu penser que cette fille est en compétition? Compétition? Valérie, elle n'est pas une compétition. Mais je déteste être entourée de personnes pauvres qui essayent de voler ce qui m'appartient. D'accord? Mets-toi dehors. À 7 minutes. Steph, je te déteste. M'as-tu comprise? Je ne peux plus jamais te voir. Sors juste. Mais tu es sérieuse? Stupide. Ouvre-moi la porte. Seigneur. Seigneur Jésus, protège mon enfant. Seigneur. Du calme, madame, ça va aller. Je suis stupide, je suis stupide. Je suis une grande stupide. D'avoir fait de Valérie mon amie, des fois. Seigneur Jésus. Qu'est-ce que c'est?
Docteur, comment va-t-elle? L'opération a réussi. Oui! Oh mon Dieu! Merci! Et mon fils? Merci! Merci Jésus! Merci Seigneur! Oh merci! C'est réussi! Merci, merci! Général, nous sommes ici pour vous remercier de l'amour que vous avez eu envers ma famille. Vous et votre famille durant la maladie de ma fille. Que le bon Dieu continue de vous bénir. Amen. Madame, ce n'est pas la peine de nous remercier. C'est Dieu qui détient cette vie. Je veux dire, qui aurait cru que votre enfant serait encore en vie? Elle est pleine de victoire depuis son retour. Et le résultat aujourd'hui, santé et bonne santé. Et... ah ah, bienvenue parmi nous. Papa. Que Dieu te bénisse, mon fils. Sois le bienvenu. Je suis content que nous l'ayons fait. Félicitations à nous tous. Voilà. Que pourrais-je bien faire pour vous remercier de m'avoir donné la chance de vivre à nouveau? Merci. C'est rien, c'est rien. Qu'est-ce que nous célébrons encore cette fois-ci? Pourquoi veux-tu savoir? Tu débats comme ça, tu trouves les gens en train de parler des trucs et puis voilà. Non, Duke. Non, papa, je suis sérieux. Ne commence pas. Commence. Bébé. Oui, maman. Va juste à l'intérieur et apporte des verres de jus et une bouteille de vin du bar. Ok. Wow. Salut quoi? Ça va? Ah, tiens. Bien, je vais faire quelque peu. J'aimerais que la santé ici. Alors, bois-toi un toast à l'amour, le vrai amour. Bien. Très agréable, oui. Très bon vin. Et un toast pour la paix. D'accord. Et un autre toast pour l'envie. Et la santé. Finalement, le dernier toast. Ouh! Ah! La bague! Oh! Oh! Oh Dieu! Stéphanie. Voudrais-tu m'épouser? Mais qu'en est-il de Prime? Il ne s'est jamais rien passé entre Prime et moi. Je la considère juste comme une petite sœur. Et j'ai fait ce que j'ai fait, voilà, parce que... elle m'a parlé de... son état de santé. Voilà. C'est tout. Oh mon Dieu. Donc tu veux dire que tu as fait tout cela pour une cause humanitaire? En effet, bébé. Je vais t'épouser. Oui. Tu veux, moi je vais t'épouser. Et voilà, nous y sommes. Et oui. Ceci est à toi. Merci, merci. C'est joli. Merci, merci. Félicitations à vous. Félicitations. Oh, Valérie. Bien, tu veux ma bague? Je le sais. Regarde, félicitations. Je suis tellement désolée pour tout ce que je t'ai causé, je te le jure. Si j'avais eu le choix pour être de bonnes amies, je suis désolée pour tout ce que je vous ai causé. Tu n'as rien fait, tu étais innocente. C'était moi la Isabelle de cette histoire. Mais pardon, je ne savais pas.